C'est ouvert. Agent Gibbs? Tout est là-dedans. Parfait. Merci. Je vous en prie. Bon, j'y vais. Écoutez, je crois que je vous dois des explications à propos de mon attitude. Non, c'est inutile. Vous aviez fixé des règles que j'ai enfreintes. Oui, en effet. D'une manière particulièrement grandiose. Tellement grandiose que Phineas n'arrête pas d'en parler continuellement. Apparemment, avec vous, il a vécu la journée la plus énorme et la plus extraordinaire de sa vie. Phineas était tellement content que quand on est rentré, on a parlé longtemps. Il s'est ouvert à moi. Sur des tas de choses. Comme vous l'avez dit, il est extrêmement doué. Oui, c'est un petit malin. Fou de sa maman. Et moi, je ne veux pas le perdre. Sarah, tout va bien? Franchement, je sais pas trop. Mon ex conteste la décision qui m'a attribué la garde. Il a plus d'argent et d'avocats que j'en aurai jamais. Du coup, vous pourriez sans doute garder les affaires de Phineas, son pyjama et le reste pour la prochaine fois. Enfin, jusqu'à ce que je trouve une babysitter. Si vous êtes toujours d'accord. C'est vrai que je ne l'ai pas vu tout de suite, mais vous lui faites du bien. Vous savez, ça marche dans les deux sens. Merci, agent Gibbs. Jethro. Appelez-moi Jethro. Très bien. Merci, Jethro. Vous avez un message? Comment ça s'est passé avec maman? On est tranquille. Au fait, je t'ai laissé ce vieil ordi pour qu'on discute.